Alors depuis aujourd'hui, le centre aéré a démarré. Les séjours démarrent la semaine prochaine. Et autant la semaine dernière, en début de semaine, nous étions complètement enterrés parce qu'il n'y avait pratiquement pas d'inscription, autant là maintenant, on est en train de les voir monter, on dépasse les 80 gamins. Alors en plus, il fait beau. Et en plus, on a le beau temps, je sais pas, les dieux se sont mis avec nous. Et on a un temps magnifique, apparemment déjà toute la semaine, ce beau temps est assuré, donc peut-être qu'on pourra sortir les piscines. Paris, il y a toujours de la place puisque c'est un parc de 5 hectares, donc il y a une capacité de 200 enfants. Alors 200 enfants pourquoi? Parce qu'il y a le bâtiment et c'est la cause est le bâtiment. Sinon, il est évident que 5 hectares, c'est plus d'enfants. Alors nous allons jusqu'à la dernière semaine d'août, donc juste avant la rentrée scolaire, et chaque semaine a une autre thématique. Comme il y a différents séjours, alors il y en a un qui est important, c'est le séjour cirque qui a lieu l'avant-dernière semaine d'août puisque ça tombe avec les fêtes de la Mirabelle. Famille de France fait un char au fait de la Mirabelle. Et donc ce char, donc le séjour cirque, va être basé donc sur les fêtes de la Mirabelle. Les enfants vont apprendre à jongler, etc. Donc il y a un animateur cirque qui va être présent. Et ensuite, le samedi, ils vont apprendre à aller piquer les fleurs sur le char. Là, le char, il est prêt. Il a été fait par un artiste. Et eh bien, il attend qu'on vienne piquer les fleurs. Donc ce sera le samedi, la veille du corso. Et puis le jour du corso, les enfants seront là, mais il y aura aussi des parents qui seront là. On a toujours besoin d'aide et de volontaires, on a toujours besoin de bénévoles, on a besoin de gens pour les conseils d'administration de nos associations, bien sûr, pour que les associations puissent vivre et continuer à proposer des activités à des prix, je dirais, moindres. Sinon, ça sera le secteur marchand. Le jour où il n'y aura plus d'associations, ce sera le secteur marchand. Alors, à qui s'adresse ce centre de Harry? À partir de quel âge on peut y venir? Jusqu'à quel âge? Alors on peut y venir jusqu'à 3 ans, je dirais bien de 3 à 99 ans en définitive, en faisant de l'intergénérationnel, voire plus, puisque maintenant on vit plus longtemps. Mais pour les enfants, c'est de 3 à 16 ans. Après 17 ans, on passe un BAFA, on est stagiaire BAFA. Alors oui, autour de vous, il y a toute une équipe qui permette justement d'encadrer ces jeunes et de faire les animations. Tout à fait. Donc il y a des directeurs, il y a deux directrices, c'est Brigitte Tondon et Aurélie Albert. Il y aura aussi des directeurs de séjour puisque la législation demande cela maintenant. Il y a des animateurs qui sont là, des animateurs BAFA et stagiaires BAFA et quelques aides animateurs puisqu'on est encore autorisé à en avoir quelques-uns. Mais pour être aide animateur, il faut être majeur. Alors vous me disiez tout à l'heure qu'il restait de la place. Est-ce qu'il y a un contact, un lieu où on peut s'inscrire encore? Alors, soit on vient sur Harry après 17h, où là, ils seront accueillis par nos directeurs, si on habite autour d'Harry, soit on va à la Fédération Avenue Leclerc de Haute-Cloque. Donc là, c'est au 1 Avenue Leclerc de Haute-Cloque, ce sont les bureaux de l'UDAF. Et là, on vous accueille. Et sinon, le téléphone, c'est le 03 87 65 47 87 ou le portable, le 06 60 70 93 34. Alors, pas de vacances pour Nicole Chrétien? Pas de vacances pour Nicole Chrétien, non. En plus, on vous salue puisque vous avez été élue présidente de Famille de France de Moselle. Donc, c'est un nouveau mandat. Vous remplacez votre mari qui a pris des fonctions nationales. Voilà. Donc, je suis devenue la présidente départementale de Famille de France. Je suis aussi le délégué régional de Famille de France. Et Patrick Chrétien, lui, est devenu le président national, ce qui n'est pas une mince affaire, oui. Donc, la Moselle sera bien défendue par la Famille Chrétien. La Moselle sera bien défendue par la famille chrétienne, tout à fait.